il pleut, on en avait enfin, oui, mes livres sont à nouveau disponibles, ouf, ça a été long, neuf mois, plus que neuf mois sans que mes livres soient disponibles, presque une année en fait, et eh bien ils sont tous, tous disponibles en version remaniée, en version deuxième version si on veut, et en plus il y a mon premier roman qui est également disponible ça fait une année que je voulais le sortir euh, j'attendais j'attendais puis ensuite il y a eu tout, tout ce tralala enfin il est il est sorti euh, vous pouvez trouver tous ces livres sur le site de Culture et Racines lien que j'ai mis ci dessous et euh, alors bien sûr les livres ne seront livrés que après le confinement il faudra être un petit peu patient pour les recevoir mais ils sont on peut les commander ils sont chez l'imprimeur il faudra attendre la fin du confinement pour que l'imprimeur puisse les mettre dans un camion les envoyer notamment en France, et de là, ils seront distribués à tout le monde, à tous ceux qui l'ont acheté. Et à ce moment-là, vous allez également pouvoir le com les commander sur Amazon et d'autres plateformes. Mais en attendant, on exclut, en primeur, vous pouvez les acheter sur le site. Et pour vous remercier euh, de votre fidélité et surtout de votre commande, l'éditeur a, a fait un rabais de 20%, et donc euh, c'est l'occasion d'en acheter. Donc achetez-en plein pour vous, pour vos amis. Alors, euh, encore une fois, vous serez livré euh, probablement dans 3-4 semaines, euh, le temps que ça arrive. Donc, euh, soyez patient pour la livraison, ne m'envoyez pas des emails en disant, quand est-ce qu'ils arrivent Quand est-ce qu'ils arrivent Ils arriveront, euh, vous me connaissez, vous pouvez avoir confiance. Et donc, euh, cette, euh, ces livres sont enfin disponibles, il y en aura, il y aura de plus en plus. C'est une petite euh, édition, maison d'édition euh, à laquelle je participe, et donc euh, euh, j'ai un regard sur ce qu'ils font, contrairement à ce qu'il y avait avant. Et donc, euh, j'espère euh, euh, amener aussi un peu de management sérieux, mais ils le sont, ils sont sérieux. Et donc, euh, faire en sorte que, que, que le nombre de livres intéressants continue à croître et que vous puissiez les commander, les recevoir euh, euh, très bientôt. Donc, je mets le lien et enfin, enfin, on ne peut pas savoir pour un écrivain de ne pas pouvoir vendre ses livres. Ce n'est pas, pas le fait de les vendre, mais qu'ils ne puissent pas être lus à part les gens qui les ont déjà ou qui se les prêtent. Mais c'est vraiment exceptionnel. Donc faites tourner cette info, faites tourner cette vidéo. Euh, vous savez, je suis bloqué sur pas mal de, de, de réseaux sociaux, donc je ne peux pas la, la, la partager. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on m'a bloqué parce que j'avais mis pour, des, euh, pour avoir partagé des, des propos de quelqu'un d'autre il y a huit ans. Donc rétroactivement, ils ont dit, ah, il y a 8 ans, vous avez partagé quelqu'un qu'on n'aime plus, vous êtes bloqué. Alors je ne peux pas communiquer mes 30 000 abonnés Facebook, mais il reste YouTube, il reste VK, il reste Bitchute. Partagez, partagez. Euh, C'est le moment, vous savez, après cette petite crise qui a été un entraînement, qui a été un, un, un réveil pour beaucoup, il faut que ces livres puissent aider euh, des millions de gens. Aujourd'hui, nous touchons peut-être des centaines de milliers de gens mais ces livres doivent pouvoir aider des millions de gens à se préparer à la prochaine crise. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils se préparent, les gens Parce qu'il y a plus de monde qui est préparé, c'est moins de problèmes pour nous tous. Parce que des gens qui ont des stocks de nourriture, qui savent préparer leur autonomie, qui savent organiser finalement leur mode de vie pour une vie plus simple, plus, plus, plus saine, c'est moins de connards qui foutent le bordel le jour où il y a une crise, et même en temps normal. Et donc, une, ce sont des livres... C'est ce que je disais à un journaliste, pour lui expliquer pourquoi je refusais de, 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 servir, de, de, de faire une interview avec lui récemment, parce qu'ils n'ont pas compris à l'époque où ils avaient l'opportunité de faire la promotion de ces livres que c'était d'utilité publique, d'utilité pour tout le monde, et au lieu de rester sur des petites biaiseries, de, 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 de petits trucs de politique de merde, ils auraient dû promouvoir le livre. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je, je considère qu'ils ne se font, ce sont pas des gens responsables. Ils ne font pas partie de notre, de notre civilisation. Je les exclue. Et donc, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps avec eux. En revanche, vous, qui me suivez, qui, 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 qui êtes nombreux, vous pouvez partager ces, ces informations aux gens de bonne volonté et faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre. Sans travestir les propos. Les gens qui lisent mes livres me disent Mais ce que les journalistes disent de toi est complètement fou, est complètement débile. Ça n'a rien à voir avec ce que tu écris. Euh, et donc c'est parce que l'autonomie et la résilience n'est pas appréciée par le système, alors autant ils ne nous attaquent pas trop parce qu'ils savent que nous ne sommes pas des fouteurs de bordel nous n'appelons nous nous, 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 nous pas à la révolte, nous n'appelons pas à la à la à la, à la, à la guerre à la, à la guerre civile, à la révolution nous sommes pour que chacun se mêle de ses affaires chez soi, donc dans ce sens là ils savent que nous ne sommes pas un danger. Mais le fait que nous demandons plus d'autonomie et que nous travaillons pour cette autonomie, eh bien, euh, ça veut dire que nous ne sommes pas de bons esclaves, dociles, euh, consommateurs. Et donc, autant que les autres. Et à ce moment-là, pour ça, il faut nous ridiculiser il faut nous faire passer pour des marginaux il faut nous faire passer. C'est ce qu'ils ont fait depuis, depuis toujours. Et donc, je refuse maintenant d'entrer dans le jeu de la caricature et euh, je ne parlerai qu'à des médias qui ont prouvé leur bonne foi euh, au fil des années. Bref. C'est à vous de partager cette vidéo, c'est à vous de partager le lien, si vous ne voulez pas partager la vidéo, partagez que le lien. Ces livres sauvent des vies, ils ont sauvé des vies pendant cette petite crise euh, qui est quand même assez redoutable, mais c'est pas fini. Maintenant, il va falloir gérer une économie moribonde en dépression. J'écris, je vous fais cette vidéo, le, on est quoi, le 28, le 28 mars Et donc, euh, il va falloir, euh, falloir qu'on soit encore plus nombreux à nous préparer. Quoi de mieux que de prendre des livres qui sont bien écrits En plus, tous ces livres sont en version... Euh, mise à jour, re légèrement manié, euh, remanié, pour certains, extrêmement remanié pour d'autres. Rue Barbare est, a bien des différences par rapport à la première version. Je dirais qu'il y a bien 20-25% du livre qui a été réécrit, euh, peut-être moins dans, dans Survivre, euh, et euh, on a ajouté un chapitre, à, on a ajouté un petit chapitre sur le coronavirus dans NRBC, qui reste de toute façon qui en parlait déjà avant, donc euh, donc qui reste bien. Et puis mon roman, mon premier roman. Giuseppe, l'histoire de mon grand-père avant et pendant la guerre, la, grand, la, la deuxième guerre mondiale, et comment il a survécu un euh, périple dont je vous parlerai dans des vidéos séparées euh, très bientôt. Vous savez quoi faire Préparez-vous, partagez, et à très bientôt. Oui Ciao